Il est 19h. Yarana, merci d'avoir choisi la première. Voici les titres de ce journal. Un Polynésien sur quatre souffre d'hypertension artérielle, un chiffre certainement sous-évalué pour cette maladie sans symptômes et favorisé par la sédentarité, l'obésité, le diabète et le tabagisme. 10 ans que la Polynésie est réinscrite sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU, mais 10 ans plus tard, aucune avancée institutionnelle. Jusqu'ici, cette réinscription n'est rien d'autre qu'un symbole politique. Le Tavinihuir Atira commémore toujours ce jour historique. Nous rejoindrons Lucille Guichet et Patrick Sinsing à Outu Araya. Le Japon, accessible depuis la Polynésie à partir du 30 octobre. Un soulagement pour la compagnie locale qui compte beaucoup sur cette ligne pour reconquérir le marché asiatique. Et enfin, nous embarquerons à bord du porte-hélicoptère d'Ixmude de l'armée. Le navire fait escale dans nos eaux avant de rejoindre le Mexique. Un tour du monde pour des exercices de lutte contre la piraterie maritime ou encore d'assistance aux populations après un événement climatique. Mais d'abord, sa disparition a fait le tour des réseaux sociaux. Jade Gispalou, 25 ans, était recherchée depuis lundi. Son corps sans vie a été retrouvé cet après-midi. Parti en randonnée avec son chien dimanche à Tiahupo, ses parents n'avaient plus de nouvelles de la jeune femme. Sur place, un important dispositif de recherche a été déployé pour tenter de la localiser. Jade Gispalou avait pourtant l'habitude des randonnées. On écoute le maire de Taïrapou Ouest, Tétouanoui Ambline. Il répond à Tawar Ili. Suivant le témoignage de la maman, qu'elle avait déposé à jeune fille au fond de la vallée, soi-disant que cette jeune fille-là a l'habitude de faire des randonnées. Et donc elle est partie dimanche après-midi à 14h. Et lundi matin à 10h, elle avait envoyé un message disant qu'elle est en train de faire demi-tour et redescendre. Suivant les calculs, elle devait arriver mardi matin. Et donc la maman s'est inquiétée, donc elle a prévenu les pompiers et la gendarmerie que sa fille n'est pas encore de retour. C'est à partir de là qu'on a lancé les recherches depuis hier après-midi. Et ce matin, on a renforcé les équipes. On a fait 5 équipes pour aller à sa recherche. Bon, ils sont revenus l'après-midi, ils n'ont pas trouvé. C'est grâce à l'hélicoptère qui est arrivé dans l'après-midi, qui est allé encore plus loin dans la vallée. C'est assez loin, très loin. Ceux qui sont partis à pied, ils sont allés loin. Et donc, ils sont revenus. C'est l'hélicoptère qui est allé encore un peu plus loin et qui a retrouvé le corps. Est-ce qu'on connaît les raisons de ce drame? Je n'ai pas de précision de la manière du décès. Je connais les docteurs qui pourront nous confirmer. C'est un mauvais chiffre qui alerte. 26% des Polynésiens souffrent d'hypertension artérielle et nombreux sont ceux qui l'ignorent. Car cette pathologie est bien souvent silencieuse, mais ses conséquences sont désastreuses. Avoir une tension trop élevée augmente les risques d'AVC, de maladies rénales ou encore de cécité. Les détails avec Mérénie Gamblin et Jérôme Lee. Le stand de la direction de la santé interpelle les visiteurs ce matin en bas du centre Weimar. Ceux qui passent par là en profitent pour vérifier leur tension. Pour Teto, le bilan est bon, car il surveille bien sa santé. On n'est pas à l'abri des maladies. On est plus jeune, quoi. Hein. Surtout qu'on ne bouge pas trop souvent. En fait, je fais de mon mieux pour bouger, quoi. Par exemple, je fais de la marche tous les jours. C'est justement ce que conseillent les médecins. Pratiquer une activité physique régulière et réduire sa consommation de sel. Jasmina, elle, admet faire quelques excès de temps en temps. Je ne vais pas mentir, pas forcément. Mais après, quand je vois que j'abuse, je reviens sur la bouffe un peu sans mentir. Hein. Heureusement, tout va bien pour Jasmina, mais il faut continuer les contrôles car l'hypertension évolue souvent sans symptômes. Et même si elle se soigne, la pression trop élevée dans les vaisseaux sanguins peut avoir de graves conséquences. Comme par exemple AVC, crise cardiaque, au rein, le stade ultime, bien entendu, c'est la dialyse dont on a déjà tous entendu parler. Pour les yeux, ça peut entraîner des problèmes de vue, ça peut atteindre les artères des jambes aussi, peut entraîner des problèmes de marche, des choses comme ça. Déjà une centaine de visiteurs dépistés à 10 heures, dont la moitié avec de l'hypertension. Le dépistage est recommandé dès l'âge de 45 ans.
Premier conseil des ministres pour le gouvernement Brodersen à l'ordre du jour, leurs droits et leurs obligations. Le président du pays a déclaré qu'il était très attaché à la transparence de la vie publique. Tous devront déclarer leurs intérêts à la haute autorité. Une réunion à laquelle a assisté le haut commissaire sur invitation du nouveau président du pays, Eric Spitz, qui a rappelé, je cite, « son souhait de travailler en collaboration et de manière constructive avec le nouveau gouvernement dans l'intérêt des Polynésiens ». Fin de citation. Et ce 17 mai est une date symbolique pour la Polynésie et particulièrement pour le Tavenihuir Atira. 10 ans aujourd'hui que la Polynésie est réinscrite sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Mais depuis, il n'y a rien de véritablement concret, mais le symbole est extrêmement important, explique Semir Alwardi. On voit cela plus en détail avec Lucille Guichet, Mélissa Chang et Patrick Singsing. 17 mai 2013, le Tavini réinscrit la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Pendant ce temps à Tahiti, la majorité bascule une nouvelle fois et les indépendantistes perdent le pouvoir. Parce que maintenant, il faut commencer à s'habituer à appeler notre pays Mahuinui. La même année, le comité de la décolonisation demande à la France de fixer le cadre d'un gel du corps électoral. Un rapport sur les conséquences des essais nucléaires réalisé par le secrétariat général de l'ONU et un programme d'éducation politique pour la population. 10 ans plus tard, le temps a passé et les choses ont changé, mais seulement sur le plan international. En 2013, la Russie n'avait pas encore envahi la Crimée. Les Chinois, on ne savait pas qu'ils opprimaient les Ouïghours. En Syrie, la situation n'était pas encore dramatique, mais pensez que maintenant, les gens qui dominent le comité de décolonisation, c'est la Chine, la Russie, le Venezuela, la Syrie, la Tunisie. Pourtant, c'est bien l'État français qui décide si un référendum d'autodétermination peut être organisé ou pas. La réinscription à l'ONU reste donc davantage un symbole politique. En dehors de cet aspect symbolique, en dehors de cet aspect de renforcement du narratif indépendantiste, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose. Puisque sur le plan pratique, eh bien, les indépendantistes se présentent tous les mois d'octobre. La France n'est pas présente à cette réunion-là. Et un rapport sort au mois de décembre, au mois de janvier, et puis on recommence. La liste de l'ONU compte 16 pays non autonomes, dont la Polynésie. Mais au moins 30 territoires n'y figurent pas, comme le Tibet ou encore la Papouasie occidentale. Et comme chaque année, le Tavenihuir Atira célèbre ce jour historique dans le fief d'Oscar Temaru. À Outu Araya, les partisans et militants participent à ce rassemblement très sobre, dirigé par le président du parti et celui du pays. Au programme, discours, chants et prières, nous allons sur place rejoindre Lucille Guichet et Patrick Singsing. Oui, ils sont 300 ce soir ici dans ce parc de Outu Araya à Faa'a, des sympathisants bien sûr en grande partie, mais aussi des élus et les membres du gouvernement. Et puis après, vous l'avez dit, après le temps de recueillement et les discours, ce sera la place à la bringue. Nous sommes justement avec l'un des artisans de cette réinscription, Richard Touheyava. Bonsoir. Bonsoir. Alors depuis cette réinscription, la demande de figer, en tout cas de fixer un cadre pour geler le corps électoral ou encore de diligenter une enquête sur les conséquences des essais nucléaires, une enquête qui serait effectuée par le secrétariat général de l'ONU. Est-ce qu'on peut dire que 10 ans plus tard, il ne s'est rien passé ? On peut le dire d'une certaine façon si on regarde en réalité l'ONU comme un acteur politique de premier plan. C'est pas le rôle de l'ONU que de venir s'immiscer dans les affaires de la Polynésie française. C'est une affaire locale et bilatérale avec la France. Ce qu'il faut par contre absolument dire, c'est que pendant 10 ans, tout a été mis en application du côté de la puissance administrante pour faire un déni complet sur cette réinscription, pour voir tenter même de désinscrire la Polynésie, mais aussi de légiférer sur tous les sujets et tous les thèmes qui mettaient à mal la puissance administrante au plan international. Donc non, c'est pas rien qui s'est passé, c'est pas quelque chose de symbolique, puisqu'en fait nous avons résisté. Nous avons resté 10 ans jusqu'à ce que la gouvernance du pays, qui était entre les mains du Tavenihuir Atira jusqu'en 2013,
puisse revenir entre les mains, cette fois-ci d'une gouvernance rénovée, 2.0, j'ai envie de dire, pour poursuivre ce processus de décolonisation, nous l'espérons, cette fois-ci, dans des conditions plus reconnues, plus comprises aussi de la population. Et ce travail, je pense, a déjà démarré dans le cadre de la campagne électorale. Alors justement, ce qui a changé, en tout cas depuis 10 ans, c'est que désormais, les indépendantistes ont des députés à l'Assemblée nationale, sont majoritaires à l'Assemblée de Polynésie et siègent au gouvernement. On l'a entendu tout à l'heure, Oscar Temaru, dans son discours, dire espérer que les choses bougent en octobre prochain, lors de la prochaine session à l'ONU. Mais concrètement, vous l'avez dit, l'ONU ne peut pas non plus contraindre un État souverain comme la France. Alors ce soir, qu'est-ce que vous espérez de plus ? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait un programme de travail qui soit voté au niveau onusien pour que les étapes de la décolonisation, celles qui sont connues de l'ONU, puissent s'appliquer également à la Polynésie française. Par exemple, une visiting mission que le président Fritsch, d'ailleurs, avait sollicité depuis 2-3 ans déjà, mais aussi un travail beaucoup plus approfondi sur les essais nucléaires, sur les conséquences, et pas uniquement quelque chose qui est poussé par le Tawiniuiloatila, mais par l'ONU. Et donc, pour que ça puisse se faire, il faut une coopération de la France. Il faut que la France puisse s'asseoir à la table des négociations, des discussions. Nous l'espérons avec une gouvernance présidée par Moïse Baudesson qui est à l'écoute de ça et qui est ouverte à ce qui sera évidemment discuté, puisque Moutay aussi et Baudesson connaît très bien désormais les arcanes de l'ONU. Merci Richard Touheyava d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, Yata, donc pour la célébration des 10 ans de cette réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, où environ 300 sympathisants du Tawini sont réunis ici au parc Otuareia de Faa. Merci Lucille Guichy et Patrick Singsing pour ce point en direct depuis Otuareia. Autre symbolique qui marquera l'histoire, le drapeau de la communauté LGBTQ, symbole du mouvement, a été levé à la présidence et à la vice-présidence. C'est une première, un geste pour marquer la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Il n'a pas laissé indifférent le président de l'association Cousin-Cousine, preuve que le gouvernement participe à la promotion de la diversité sexuelle. Un allié de taille, nous dit Karel Luciani au micro de Mérénie Gamblin et Jérôme Guy. Pour nous, c'est très important parce que pour le moment, on allait chercher nos alliés à Paris et on a eu récemment la Nouvelle-Zélande comme allié avec la consul de Nouvelle-Zélande et aussi l'ambassadrice aux droits LGBT néo-zélandais. Et donc là, aujourd'hui, c'est au niveau local, on a un allié au plus haut niveau. Donc c'est magnifique. Ça va aussi peut-être faire changer les mentalités. Aujourd'hui, je vais accompagner une jeune personne qui a été agressée ce week-end dans une boîte de nuit, encore un acte gratuit et lâche qui est scandaleux. Et donc on va aussi demander à la direction de la police ici si les mesures prises par M. Darmanin, ministre de l'Intérieur à Paris, sur la présence de référents LGBT au sein des postes de police et de gendarmerie, est bien une mesure qui est appliquée sur le territoire. Ce 17 mai 2023 marque également les 10 ans de la loi pour le mariage pour tous. Tourisme maintenant. Après plus de 3 ans d'interruption, Air Tahiti Nui reprend sa desserte vers le Japon. La ligne suspendue depuis la crise Covid rouvrira le 30 octobre à raison de 2 rotations par semaine. Une bonne nouvelle pour le secteur et notamment pour le marché porteur des pays asiatiques. Les détails avec Caroline Fari et Patrick Singsing. Le Japon, c'est exotique. Les clients de cette boutique de papeterie spécialisée en produits nippons le savent et se réjouissent de pouvoir découvrir ou redécouvrir cette destination. J'ai toujours eu envie d'y aller, par contre j'y ai jamais été du coup. Mais si un jour j'ai la chance d'y aller, ce sera avec joie. J'y suis allée 10 jours, mais c'était que 10 jours. Mais c'était très joli et j'ai bien aimé. Oui, c'est pour ça que c'est bien qu'il réouvre. Et puis comme ma fille fait du japonais avec son prof de japonais, qui est japonaise, et elle a pu revoyager que cette année, donc du coup, c'est très bien qu'ils aient rouvert là, pour ces japonaises qui vivent ici. Des japonais comme Aiko, en Polynésie depuis 15 ans, elle retournait dans son pays chaque année, mais le Covid est passé par là. Ça faisait 3 ans et demi que je suis allée au Japon, donc enfin, j'ai profité l'année dernière, et à pas différent. Je suis passée par Hawaï pour aller au Japon l'année dernière. Voilà, mais c'était très long.
Donc là, à partir du mois d'octobre, vous savez que vous allez pouvoir y aller directement, vous allez en profiter? Ah oui, bien sûr, forcément, hein. J'aimerais bien, hein. J'ai bien vérifié déjà le prix, voilà. Papeete Tokyo, première desserte pour la compagnie Otiare, c'est un peu son acte de naissance. C'est aussi un hub vers les pays asiatiques et notamment la Chine. En ce moment, on est très dépendant du marché nord-américain. La clientèle japonaise est par-delà, au-delà de la clientèle japonaise et la clientèle asiatique, notamment les Chinois que nous avions, qui représentaient à l'époque 15 à 20% des remplissages. Donc aujourd'hui, si on ne réouvre pas aujourd'hui, on plombe cette route pour les 10 années à venir. Donc il est important de réouvrir. Exit les honeymooners. La compagnie vise aujourd'hui une clientèle plutôt senior ou passionnée de danse tahitienne en espérant dépasser les 50% de remplissage. Le marché japonais, ce sont environ 16 à 20 000 touristes par an. Ça, c'était à la belle époque du marché. C'est aussi une excellente nouvelle pour les amoureux du pays du soleil levant qui vont pouvoir reprendre le chemin des cerisiers en fleurs, du marché de Kyoto et puis du très célèbre et très majestueux Mont Fujiyama. Arigato gozaimasu. Et sachez que la desserte du Japon représente environ 6 milliards de francs pacifiques de revenus par an. Nous allons à présent embarquer à bord d'un navire militaire, le Dixmude. Lui et 800 militaires, dont 160 officiers élèves, réalisent un tour du monde en passant par des points stratégiques. La Polynésie en est un, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. La mission s'appelle Jeanne d'Arc et elle débute à Raiatea pour Jacques D'Amour et Hitimanaki. Regardez. C'est une mission de 4 heures de vol axée sur la surveillance aérienne de la zone maritime qui se termine pour les deux hélicoptères de reconnaissance et d'attaque de l'armée de terre et le dauphin de l'aéronaval, tous embarqués à bord du porte-hélicoptère Dixmude. Les appareils regagnent leur base flottante. En m'engageant dans l'armée de terre, je ne pensais pas travailler forcément avec la Marine nationale. Mais je l'ai vite découvert et c'est une chance pour nous d'avoir cette opportunité au cours de notre carrière. La veille, à Raiatea, les combats ont fait rage avant que la dernière poche de résistance tenue par l'ennemi ne soit neutralisée par les militaires du RIMAP Polynésie. La présence exceptionnelle du porte-hélicoptère offre aux femmes et hommes du régiment du RIMAP un scénario réaliste leur permettant de se redéployer. Depuis Otoroa, c'est à bord d'un engin de débarquement amphibie rapide qu'il regagne le Dixmude. L'entrée dans le radier du navire est une manœuvre extrêmement délicate que maîtrisent parfaitement ces professionnels du groupement tactique embarqué. Les manœuvres d'entrée sont relativement précises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le radier fait environ 15 mètres de large. Un engin amphibie comme l'engin LEDAR qui est derrière, l'engin rapide, est à 12,40 m. Donc ça laisse peu de marge de part et d'autre. Là, les conditions sont bonnes, donc il n'y a pas de grosses difficultés. Mais effectivement, quand on commence à avoir des conditions de mer un peu plus difficiles, à ce moment-là, c'est du pilotage qui est relativement fin. Le groupe naval est composé de 800 militaires, dont 160 officiers élèves marins et 19 officiers étrangers. Également à bord, une dizaine de Polynésiens, tous des engagés volontaires. Je suis plongeur de bord au sein de la flottille amphibie dans le secteur reconnaissance plongée. J'ai choisi ce métier pour ma passion de la plongée, du voyage. Je viens de Tahiti, l'océan, c'est toute ma vie. Donc c'était un choix certain, la plongée. Pour tout vous dire, je suis très content de rentrer. C'est un privilège déjà de faire le tour du monde à bord du Dixmude. Et en plus de ça, on met la cerise sur le gâteau en passant par Tahiti. C'est encore plus exceptionnel, ça me touche au cœur, forcément. Après 4 jours d'escale à Papeete, le groupe se rendra à Clipperton, puis à Acapulco, au Mexique. Chaque année, la mission Jeanne d'Arc est une mission extraordinaire qui nous conduit aux confins du monde. Mais cette année, le fait de faire le tour complet donne une tonalité exceptionnelle, d'autant qu'il n'y a pas eu de tour du monde pour la mission Jeanne d'Arc depuis plus de 22 ans. La dernière fois, c'était le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc qui effectuait ce tour du monde, qui s'arrêtait notamment à Tahiti, et c'était en 2001. Le retour du groupe à Brest, leur port-base, est prévu pour la mi-juillet.
C'est un espace de liberté et de plaisir pour les locataires du centre Papa Nui. Il accueille des enfants atteints de trisomie 21. Le Fa'apou de cœur n'a pas de cœur que son nom, car c'est grâce à la solidarité des habitants, mais aussi aux sponsors qu'il a pu naître. En ces terres, poussent des fruits et légumes bio, arrosés par l'amour des pensionnaires et le savoir-faire de l'équipe éducative. Immersion dans ce jardin avec David Chiang. Pour ces jeunes, les tâches à première vue insignifiantes relèvent parfois du défi. Lundi, le programme, c'est voilà, le jardin comme tous les jours. On commence par des routines et puis on attaque des chantiers avec les jeunes. Guillaume est éducateur. Il est détenteur d'un bac pro en gestion d'exploitation agricole. Il a appris aux jeunes les rudiments du métier, à commencer par les mots-clés. Quand il y a une fiche technique, il y a des images à côté. Et puis voilà, avec mes mots, bien sûr, je m'adapte à ce qu'eux, ils comprennent. Le Fa'apou du centre Papa Nui est un rendez-vous quotidien. Voilà 9 ans qu'il existe et il est devenu au fil des années le pôle le plus important ici. Tout d'abord pour les membres, car c'est un moyen pour eux de se vider l'esprit en restant occupés. J'apprends quelque chose et quand mon éducateur dit « va faire ça, je vais faire aussi ça et... ». Le plus difficile dans leur apprentissage, c'est sans doute la communication. Avec la moitié des 30 élèves qui ne peuvent pas lire, la méthodologie est expliquée par des dessins. Ce qu'on vise, en plus, c'est l'autonomie. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de gérer tout indépendamment de notre présence. Depuis le début de ce projet, concrètement, nous avons aujourd'hui un jeune qui est en stage les 2 premiers jeudis de chaque mois et qui essaye de reproduire, qui est bien accompagné et qui reproduit dans un hôtel de la place d'ailleurs ce que lui a appris ici ou ce que lui a enseigné, eh bien, il le met en pratique en fait. Le Fa'apou du cœur permet de récolter une centaine de milliers de francs par an. À défaut de rapporter beaucoup d'argent au centre, c'est le quotidien de ces jeunes qui l'enrichit. Et sachez que la semaine prochaine se tiendra à l'UPF un colloque international intitulé « Handicap, mettre le cap vers une société polynésienne inclusive ». Il est ouvert à tous. En mot de football, la première vous propose de suivre le match qui oppose Piraeï à Ifira Blackbird à partir de 20h30. Il sera diffusé en différé. Un match comptant pour le groupe B de l'OFC Champions League. Les Tahitiens qui ont plutôt bien démarré la compétition au Vanuatu en battant les Calédoniens de Tiga sur un score de 3-0. À la rencontre sera commentée par Hervé Marzin et son consultant Pascal Vahiroua, ancien joueur de l'équipe de France. Et c'est également sur la page Facebook de Polynésie la Première que vous pourrez suivre les finales de la Tapuna Master, 29e du nom. La cérémonie d'ouverture donne le top départ de cette compétition qui démarre demain à Tapuna. À Lionel Tehotu, le président du Tapuna Surf Club, nous détaille les catégories au micro de Mélissa Chang. Cette année, on a voulu innover. On a donc proposé une catégorie bodyboard junior qui s'est terminée il y a 10 jours. Et on a invité d'ailleurs le champion bodyboard, qui est Opinia, a participé à cette compétition qui va démarrer demain pour les bodyboards. Et pour le surf, le champion junior, Peyo Chariot, qui va donc participer aussi à la catégorie open surf, ça sera donc vendredi. C'est-à-dire que sur 4 jours là, et d'ailleurs on a des vagues qui sont prévues et qui vont être très belles, donc demain, jeudi, ça sera une journée dédiée aux bodyboarders. Vendredi, ça sera une journée dédiée aux surfeurs. Et samedi, dimanche, ça sera donc, on va dire, le mélange de toutes ces catégories avec les qualificatives jusqu'au final, dimanche. Les finales que vous pourrez donc suivre sur Polynésie la Première. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Partie en randonnée, dimanche, Jade Gispalou, 25 ans, a été retrouvée morte dans la vallée de Tirhei à Tiahoupo cet après-midi. On ne connaît pas ce soir les raisons de son décès. Et nous partons faire escale à Rurutu avec Lorenzo Marama. Votre magazine Manatomo vous raconte la vie des habitants, leurs activités économiques centrées sur l'agriculture et la vannerie notamment. Vous découvrirez aussi la culture de cette île des Australes. Voici un extrait. Nati oirei amani te iak.
Et juste après, retrouver à Bleu Océan le MAG, comme chaque mercredi. Et enfin, le match de football opposant la Espirae au club Vanuatu. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. On se quitte sur ces très belles images signées Jacques Damour. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.